Les gars, ma fille n'a pas besoin du bac. Je vous le répète encore. Voilà. Ma fille n'a besoin simplement que d'aller à l'école, apprendre à compter, et puis elle vient maintenant à mon académie. Je lui montre comment va la marmaille. Montrez-moi une seule de vos, un seul de vos enfants qui est plus belle que ma fille Métis. Montrez-moi vos soeurs, vos enfants que vous avez eu là. Présentez un seul de vos enfants. Et puis on les met face à Métis. Métis seulement n'a pas besoin d'aller à l'école. Sa beauté est déjà le symbole d'une réussite. Tu sens quand tu vois femme de milliardaire, déjà tu vois. Ou bien, quand tu vois femme qui a marié milliardaire, là, quand tu vois, tu sais en même temps. Moi, je regarde ma fille, mais tu me dis, ah, Maroso, ça là, c'est ton enfant. Ouais. Moi, il sait plus, il calcule comme ça. Elle peut être Miss Côte d'Ivoire. Ouais, demain, même, elle peut être diplomate. Et t'as dit, tu vis que je prends mon téléphone, j'appelle directement au cabinet du président de la République. Ma fille est embauchée à la minute. Et il regarde ma fille, comme il me commence à calculer. Je sais qu'à partir de l'année prochaine, les grands footballeurs vont commencer à me fatiguer. Pour dire, mon général, on a vu ta fille, est-ce que tu nous permets de pouvoir la rencontrer, s'il te plaît? Eh, la digne d'un footballeur, oh, nia, ouais, un enfant comme Lionel Messi, un futur Lionel Messi, ivoirien ou bien camerounais. Non, je ne donne pas ma fille un ivoirien, jamais, jamais. Ma fille doit aller peut-être au Cameroun. De Cameroun, métier est à vous. Je veux un Camerounais capable. J'envoie métier au Cameroun. Voilà. Kimi elle au Bénin. Voilà. Ouais. Et Kimi aussi, son affaire, on ne comprend jamais rien. Voilà. Et sa taille économique, là, elle est en train de nous suivre. On envoie Kimi au Bénin. Et puis Métis, par exemple, un bon Camerounais. Voilà. Voilà, voici un enfant. Et Kylian Mbappé qui est célibataire. Kylian Mbappé peut regarder ma fille. Et puis je suis assis peinard. Je suis assis là, je prends les activateurs, je mets dans l'eau, je lave les pieds de Kylian Mbappé. L'argent tombe. Vous savez, il y a des femmes quand tu les regardes. Tu sais que son avenir propre est clair. Un, son père est connu. Deux, sa soeur est connue. Mais tu as quel problème? Sa tante est star, sa soeur est star, son papa est star. Donc elle n'a qu'à s'asseoir et puis elle mange. T'as dit, ma fille n'a qu'à s'asseoir et dit, papa, moi, tous les mois, je veux 3 millions de francs CFA. Hein, voilà. Ça, tu prends, tu te débrouilles comme tu veux. Moi, je veux 3 millions de francs CFA. Voilà, je veux juste être mannequin. Moi, je vais faire du mannequinat. Voilà, je vais signer des contrats avec Chanel. Voilà, Dior et autres. Elle a la beauté. Elle a tout pour ça. Maman Langaï. Me parler de quoi? De bac! Même con du bac! Même con quand du bac! Y'a foutu quoi ça? Un système qui n'envoie pas les enfants à réussir. T'as dit, tu as le bac et puis tu as ça à la maison. Et puis on te dit, encore, il faut encore 7 ans encore d'études. Arrêtez-moi ça, hein. Arrêtez-moi ça, hein. Ma fille, que l'Éternel te donne beaucoup d'argent. Parce qu'un bac sans argent, c'est la misère, la pauvreté. Si ma fille échoue dans sa vie, on pourra dire, Makoso, tes enfants là, tu dis, tu as les activateurs, pourquoi tes enfants échouent? Parlez de ma fille Kimi. Elle sort dans un clip 2 millions de vues. Ce que même l'artiste n'a jamais réalisé de son histoire. Pourquoi? La puissance de l'onction. Elle lance sa marque prend la puissance de l'onction. Pourquoi? Parce que son père est un homme de Dieu. Parce que son père est béni.